Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Queen of the World du Canada. Donc, je vous mets la playlist des Queen of the World en barre d'infos. C'est donc un challenge que m'a lancé Nymph. Voilà, elle va attribuer un pays par mois et je dois donc faire la queen suivant les indices qu'elle me donne. Les indices pour celui-ci sont automne et érable. Donc je parle un peu du nez, je tousse, je suis malade. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave, j'avais trop envie de faire cette vidéo. C'est pour ça que vous l'avez en bonus, puisque normalement ce mois-ci c'est le Mexique, mais vous l'aurez fin du mois. Et pour le mois prochain, qui normalement devait être celle-ci, vous aurez la Queen des États-Unis. Elle a été gentille, elle m'en a rajouté une. Voilà. Et je suis désolée, mais je vais parler comme un canard. Au départ, j'avais une idée et elle a changé il y a quelques jours seulement, alors que ce make-up, je l'ai en tête depuis des mois. J'ai fait la couronne il y a un mois et demi. Vous la verrez qu'à la fin. Hein, voilà. Des heures de travail pour 5 minutes de vidéo, mais je me suis éclatée à faire aussi bien. C'est ça qui m'éclate dans cette série de vidéos, c'est que je peux exprimer ma créativité à travers les accessoires, le montage, les make-up et tout ça, tout ça. Mais j'ai changé récemment d'avis pour le make-up parce que j'ai repensé à un make-up que Solène a fait de la chaîne Colorful Palette. Donc je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Elle a fait les Sailor Moon. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait, donc je vais m'en inspirer un petit peu. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce make-up il y a quelques jours, et que du coup j'ai changé d'avis. Voilà, mais du coup, on va attaquer tout de suite. Donc je me rapproche un tout petit peu, pas trop non plus, parce que je vais pas travailler que les yeux. Et voilà, au départ je voulais faire le buste aussi, mais j'ai trop froid. Donc voilà, ça sera juste la face. Donc je me rapproche. Voilà, là je crois que vous voyez bien, mais je vais moucher d'abord. Je vais prendre les mouchoirs près de moi et bien sûr je vous coupe ce moment totalement glamour. Donc je remettrai un petit peu de fond de teint poudre à la fin de la vidéo juste pour le close-up. Hein. Mais en attendant vous allez me voir avec le pif tout rouge, mais c'est pas à cause de l'alcool, hein. C'est vraiment à cause du rhume. Hein. Voilà, face à une bronchite. Alors, oui, sur ce genre de vidéo, je prends mon café avec hein, parce que c'est long. Je vais déjà mettre mes petites pinsouilles pour pas avoir mes cheveux qui me kikinent. Enfin, ils me kikineront quand même. Hein. Puis on dégage la touffe. Et donc, j'ai juste fait mon teint. J'ai juste mis base, fond de teint, anti-cerne et poudré. Puisqu'on va travailler un peu sur le teint aussi. Je vais prendre la Carnival 3, puisqu'il y a vraiment les teintes que je voulais de base dans cette palette. Voilà, voilà, tout simplement. Donc, vous avez également en barre d'infos la liste de tous les pays à venir. Ceux qui sont déjà faits et ceux qui sont à venir. Voilà. Alors, je vais prendre un pinceau. J'ai préparé des gros pinceaux. Je vais commencer avec ce genre-là. Je prends des assez gros puisque on va faire une grosse surface. Je sais plus parler. Je vais prendre la teinte Blaze, donc qui est le rouille un peu comme ça. J'ai cherché un rouille partout, partout, partout dans mes palettes. Et là, il y avait absolument toutes les teintes que je voulais utiliser dans ce make-up. Puisqu'on part sur un truc automnal. Donc, ah, ça a quand même filé, même que j'ai poudré. Donc, j'ai pas mis de base, hein, j'ai juste poudré mon anti-cerne et mon fond de teint. Je commence par en mettre ben, absolument partout. On viendra peaufiner après pour éviter les trous. Certainement avec un plus petit pinceau, parce que là, avec un gros pinceau comme ça, c'est un peu. Donc, là, je commence par le tour des yeux pour voir un peu jusqu'où je vais. Je fais mon arrêt du nez aussi. En fait, je vais faire un espèce de bandeau comme ça. Vraiment comme Solène a fait. Alors oui, on a déjà vu. Hein, mais moi, c'est son make-up à elle qui m'a inspiré. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sa série sur les Sailor Moon. Donc, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà. C'est une vraie petite louloute. Elle est adorable. On met également jusqu'aux tempes. Essayer de prélever un peu plus de pigment d'un coup.
Ouais, je pense qu'on va devoir intensifier avec un pinceau un peu plus dense et un peu moins large, mais au moins ça donne la base. Alors c'est pas évident avec le nez, surtout que j'ai un gros pif. Voilà, je vais quand même passer à un pinceau plat. Si j'en trouve, j'ai plus de pinceau, les gens ils sont tous crades. Donc je reprends un pinceau plat pour les yeux, ça sera un peu plus. Un peu plus opaque. Ah oui, je vais vous dire, il est 10h50. Comme ça, ça vous donne un peu une idée de combien de temps je mets. Je sais que vous aimez bien ça. Après, n'oubliez pas que moi, je fais des pauses. Hein, souvent, je laisse enfumer une cigarette, dire trois mots à monsieur, vous voyez. Mais bon, grosso merdo, ça vous donne une idée du temps de. Quoique celui-ci, je pense pas qu'il soit très long. Un peu plus les détails peut-être après, mais le make-up des yeux devrait être assez soft. Enfin soft, simple plutôt, rapide, voilà. Utilisez bon mot cocotte. J'espère que ça va pas faire trop indien, parce qu'on n'est pas le thème indien. Alors je vais essayer quand même que ce soit assez similaire, question hauteur des deux côtés. Voilà, je pense que là c'est pas trop mal. Donc je commence à dégrader le bord avec le même pinceau. Parce qu'après on va mettre une autre teinte. Ok, là ça fait très indien. Alors je vais prendre un autre pinceau boule comme ça. Et je vais prendre la teinte Sundown, donc qui est le orangé ici. Non, je vais prendre le mango plutôt. Non, allez, on fait un mix de deux. J'ai envie. Et je vais donc m'en servir pour dégrader la teinte rouge juste au-dessus, enfin tout le tour quoi, en haut et en bas, et que ça se voit quand même et assez large. Donc là je fais pas attention à mes sourcils, ça va me stresser tout le long de la vidéo, mais on réparera ça après. Je passe dessus quoi. Donc là forcément je vais en avoir dans les cheveux, mais de toute façon je me démaquillerai en dessous de la douche, hein, parce que démaquiller ça c'est un peu chiant. Oh là là, je parle comme une poule, comme un canard. Bon, pour l'instant, je suis pas convaincue de ce que je fais. Donc, je prends la teinte juste Sundown pour intensifier un peu le orange. Heureusement qu'ils sont pigmentés, c'est phare. Hein. Sans base, sans rien. Voilà, je reprends le premier pinceau et je reprends la teinte Blaze pour la réintensifier un peu parce que on perd en intensité. Ok pour ça. Alors je prends un pinceau plus souple et je vais prendre la teinte yellow pour continuer le dégrader dans les tons jaunes. Les pauvres sourcils. Oh, mes chenilles sont toutes décoiffées. Donc bien sûr, comme d'hab, ces vidéos aussi, je vous les mets en première toujours parce que comme ça, j'ai vos réactions à chaud et surtout celles de nymphe. Donc là, j'espère que pour l'instant, ça te plaît. Je regarde un peu dans le retour écran parce que j'ai une meilleure luminosité dans l'écran. Il y a plus de contraste. Donc, je vois mieux si les teintes ressortent ou pas. Et là, ça me paraît pas mal. Donc je vais juste blender un coup comme ça partout. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, je vais brosser mes sourcils parce que sinon, je vais finir par faire une dépression nerveuse. Je me sens mieux. Alors, je reprends mon petit pinceau plat là et je l'essuie sur mon essuie. Et je vais prendre la teinte Chili Pepper, donc qui est un peu plus foncée, pour faire un petit contouring de dés sur les côtés. Je parle du nez, c'est affreux. Et je vais également en profiter pour faire mon creux et mon coin externe, quand même pour accentuer un peu l'ombre de l'œil. Je sais pas si ça va fort ressortir cette teinte-là, mais j'ai pas envie d'aller dans le noir. Ça va, ça a l'air de se voir quand même. Ça fait une légère ombre. Pareil en ras de cils. Alors, je vais prendre un pinceau biseauté. Et je prends la teinte noire, du coup la Black Beach, ici, pour faire un trait de liner que après je vais dégrader avec le même pinceau, hein, pour accentuer
mon ras de cils et partir en liner. Hop. J'ai le miroir, il est à 15 km, je ne vois absolument rien. Et avec mon premier pinceau, je blende. Donc je passe carrément partout dessus. Enfin, mon premier pinceau. Le pinceau où j'ai mis Bordeaux, le plus foncé. Voilà. Et je vais également faire mes sourcils. Donc je vais juste mettre mon crayon et le gel Beauty Bay. Et je reviens. Donc je vais mettre un petit coup d'highlighter. Donc je vais prendre le Pat McGrath que j'ai reçu de la part de Maryse, qui est le Golden Nectar. C'est un des seuls que j'ai endoré. Enfin, maintenant j'en ai un autre, mais il faut que je tourne le haut avant de l'utiliser. Et je vais donc mettre ça tout simplement comme un highlighter classique. Il va très 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 bien avec les teintes. Voilà. Un petit peu sur le bout du nez, enfin un petit peu, tout est relatif, et arc de Cupidon. Voilà. Alors, on va passer au mixing liquide de chez Mewon, le doré, bien évidemment, pour changer un petit peu. Donc là, je vais quand même en faire une assez grande quantité. Je ne sais pas si je pars sur des arabesques, sur des traits, sur des vagues, sur des autre chose. Je ne sais pas. Je suis un petit peu perdue. Bref, je vais commencer autrement de toute façon. Je vais commencer par faire ma tambouille. Je vais me rapprocher de mon miroir parce que sinon, ça pue la catastrophe à plein nez. Est-ce que vous ne le voyez pas? Est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. C'est parfait. Mon petit coussin. Alors, par quoi allons-nous commencer? Attendez, je remélange un coup parce que ça se mélange mieux au pinceau qu'au cucu du pinceau. Je ne sais pas du tout par où commencer. Non, je vais peut-être commencer par autre chose qu'avec un pinceau. Alors, attendez, je réflecte. Il est où mon pinceau sabot? Ici. Je vais voir ce que ça donne avec le pinceau sabot. Et je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de produit dessus. Et je vais faire des petites taches à droite, à gauche. Je vais faire un peu comme un effet foil. Voilà. Je vais quand même peaufiner avec du liner. Toujours le même. Hein. Alors, je vais partir. Je vais faire mon creux. Je repars dessous mon liner. Voilà. Ok. J'ai envie de revenir encore sur le nez comme j'ai fait. Allez, soyons fous. Ça va être le truc que je vais faire tout le temps en ce moment. Hein. Donc je vais partir de mon coin interne ici. Là, du coup, je relis. C'est pas évident d'être symétrique avec un nez qui est tendu. Ok. Je repars de celui-ci vers le haut. En les croisant. Ça me grossit le pif à mort, hein, mais bon, Dobby. Alors, oui, on n'a pas fini, hein, j'ai envie de m'amuser, donc je m'amuse. On va repartir dessous le sourcil. Je passe dessus. Voilà. Non, c'est sympa, c'est sympa. Je vais faire des petits points. Attendez, je prends mon outil. Les petits points, c'est la vie. On n'a jamais trop de petits points. À l'abus de petits points n'est pas dangereux pour la santé. Ouais, là, je pense qu'on est quand même pas mal. Hein. Peut-être se calmer. Hein. Je vais vous dire ce que je vais faire pour terminer. Je vais mettre du mascara et des faux cils. Je vais mettre ceux-là de chez Bourjois. Voilà, avec des petites feuilles. Je trouve qu'ils sont tellement dans le thème. Crayon noir. Comme ça, ça ressort bien. Et rouge à lèvres, je vais mettre le Huda Vixen. Voilà, un marron, ça sera très bien.
et je viens vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le look final avec ma superbe couronne que j'ai mis des heures à faire et que je vais mettre 5 minutes à démonter. Voilà, c'est très lourd, ça ne tient pas bien, mais c'est totalement dans le thème. Je l'ai peut-être fait un peu haute quand même, non disons que je suis une queen qui s'emporte, je crois. J'aurais dû la faire un peu plus fine pour qu'elle passe mieux dans 4, parce que là, vous ne voyez pas tout. Donc j'ai utilisé des serre-tête, tout simplement, des feuilles que j'avais achetées chez Action. Il y en a certaines que j'ai bombées en doré, sauf que le doré ne ressort pas bien, il fait plus argenté. Et colsons. Voilà, tout simplement. Les fossiles, je trouve que ça va très bien avec le thème. En fait, depuis que j'ai les fossiles, ça fait très longtemps que je les avais achetés chez Action. Par contre, ils sont très chiants à coller parce que c'est juste une fine bande de fil. Mais voilà. Là, pour le coup, ça tient. Donc, tant que ça tient, au moins, ça a tenu pour le close-up. Le reste, voilà. Et voilà. Je suis très fière, encore une fois. Bah oui, écoutez, je suis toujours très fière de ce que je fais, hein, quand je fais des trucs comme ça. Donc l'heure, il est 11h48. Voilà, je ne sais plus à quelle heure je vous ai dit que j'avais commencé. Il y a une heure, je crois, à peu près. Hein. Ouais, 10h50, je crois. Donc voilà, j'ai mis une heure. C'était un make-up assez soft, hein, sans compter les heures de couronne. Hein, voilà, mais... dis-moi vite dans le chat ce que t'en penses. Ben les autres aussi, hein, qui êtes là, voilà, dites-moi. Ici, je vois que ça part un peu en couille, on voit les colsons en dessous. Mais tant pis. De toute façon, je vais pas la refaire. Voilà. Je suis assez fière de ma couronne aussi. Maintenant, tout démonté. Voilà. Ben voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours parce que c'est vraiment une série que j'adore faire aussi. Là, je me lâche total puisque j'ai le droit d'être une queen sans qu'on le prenne mal. Et voilà, donc j'avais mis les mèches orange et doré. Le doré ne ressort pas tellement et les oranges, on les voit à peine. Mais voilà, au moins ça fait office de. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais arrêter de dire ben voilà. Et maintenant, il faut que je vais aller montrer à mes hommes. Et c'est tout. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain, puisqu'on se retrouve tous les jours pendant un bon moment. Et en attendant, moi je vous dis bisous.